File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. Mauvaise nouvelle, Maxou, c'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Je suis fatigué de ton racket. Alors cette fois, tu vas goûter à mes baskets. C'était qu'un rêve. Et moi qui mettais une raclée au grand Max. Et moi, je rêve chaque nuit que je redeviens un prince séduisant. Oh, c'est tellement moins bien la vraie vie. Que mes rêves deviennent réalité et que le grand Max se prenne une bonne raclée. Bon, il n'y a plus qu'à attendre l'heure du goûter. File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. Mauvaise nouvelle, Maxou. C'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Non, de tes baskets. De ton racket. La princesse des animaux est de passage en ville. Elle défend le droit des animaux. Et elle embrasse toutes les bêtes, même les plus... différentes. Génial! Si tu redeviens humain, on pourra enfin sortir et s'amuser ensemble. Tu es gentil, Tom, mais une fois prince, je reprendrai ma vie au château. Tu vas déménager dans le monde féerique. Et comment? Il me tarde de danser le menuet avec d'exquises marquises. Merci, Tom, de m'emmener voir la princesse dans son château. Mais de rien, c'est fait pour ça, les amis. Il a l'air très bon, ce sandwich au miel. Au secours! Le grand méchant loup! Avec moi, tu n'as rien à craindre! Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer! Pénètre dans ce château. Entre discrètement pendant que je l'affronte. Mais il va te hacher menu. J'en ai vu d'autres. Tu te sacrifies pour faire mon bonheur. On ne peut rêver meilleur ami que toi. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Chère princesse, voulez-vous m'embrasser? Il me tarde de me transformer. Ah!
Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu étais un vrai ami. Mais oui, je suis ton ami. Peut-on savoir quel cauchemar t'a mis dans cet état? Je t'accompagnais à la rencontre de la princesse et... j'ai oublié la suite. C'est bête, hein? Tu te rends compte? J'ai empêché la princesse d'embrasser mon seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'au fond de moi, je veux empêcher mon seigneur de se transformer? C'est possible, mon chéri. Un rêve peut révéler un désir qu'on se cache à soi-même. C'est super égoïste comme désir. Il ne faut pas avoir honte de ses sentiments. Tu n'y peux rien. Le mieux est d'en parler clairement à mon seigneur. Tom, tu es prêt? La princesse va bientôt commencer sa dédicace. La librairie est par là, après le magasin d'épices. Sandwich au miel 100% naturel. Tiens, c'est drôle. J'ai justement rêvé de ce sandwich au miel. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Ah, c'est mon cauchemar. Depuis tout à l'heure, tu ne me cacherais pas quelque chose? Oh, va-t'en, sale bête! Tu vas faire peur aux clients! La princesse! Oh, je vais enfin me transformer! Monseigneur, il vaut peut-être mieux ne pas y aller. J'ai rêvé que je t'empêchais d'embrasser la princesse et mon rêve est en train de se réaliser! Baliverne superstitieuse! Et pourquoi as-tu rêvé une telle ignominie, toi, mon meilleur ami? Parce que je tiens à toi, moi! Je veux pas que tu me quittes quand tu seras prince! Ce n'est pas le moment de faire un caprice, Tom! Amène-moi la princesse et en vitesse! Comme tu voudras, mais viens pas te plaindre après! Oh. Vous avez votre invitation. Entre pendant que je l'occupe. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Merci, monsieur. Ah, je vois que j'ai un très jeune lecteur. Une part de gâteau, c'est mon anniversaire. Non, surtout pas. Je suis allergique au gluten. S'il vous plaît, madame la princesse, vous pourriez embrasser mon crapaud? Mais c'est un Snobinardis aristocratus! Bah, c'est juste mon crapaud. C'est une espèce très rare, en voie de disparition. Il faut immédiatement l'envoyer dans un hôpital vétérinaire pour l'étudier. Le spécimen très rare en voie de disparition te remercie. Même si maintenant je n'ai plus qu'à ranger mes habits de prince. Tu m'aides? Oh! Tu as gardé ce vieux dessin?
Ça veut dire que toi aussi, tu tiens à moi. Ai-je dit le contraire? Nous autres aristocrates n'aimons pas étaler nos sentiments. C'est une question d'éducation. Mais alors, t'es quand même un peu content de rester avec moi? Dans tes rêves. Ha 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 ha